Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Nous disons gloire à Dieu d'avoir rendu cette soirée possible. Il y a des beaux garçons à la morgue ce soir. Il y a des belles filles à la morgue. Il y a les autres qui ont perdu leur papa, leur maman. Vraiment, ça n'a pas été facile pour eux. On ne mérite rien ce soir. Mais nous méritons que la grâce de Dieu. Je profite, comme vous êtes debout, on lit la parole. Si ça ne peut pas déranger, que le frère Manaïm de chez moi, s'il peut aussi relancer dans les groupes, peut prendre pour que les enfants de Dieu s'y en bénéficient. Donc, Manaïm, dans notre groupe de l'église, si ça ne peut pas déranger l'administration d'ici. On prend 1 Samuel chapitre 4. J'aimerais à ce que vos esprits soient ici. Ne me regardez pas moi, je n'ai rien à faire pour vous ce soir. Mais regardez à Jésus-Christ qui vous a invité. Prenons 1 Samuel chapitre 4. Le verset 16, on démarre jusqu'au verset 21. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit. Élie dit. Que s'est-il passé, mon fils? Celui-ci lui a porté la nouvelle dit en réponse. Na yeye akampa habari na kumjibu. Israël a fui devant les Philistins. Israeli amekimbia mbele ya Wafilistini. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Na taifa imeshindwa vita. Et même tes deux fils, ata wana wako wawili, Ofni et Phinehas sont morts. Ofini na Finesi wamekufa. Et l'arche de Dieu a été prise. Na sanduku ya agano ya wamilele Mungu ilibebewa. À peine il fait mention de l'arche de Dieu. Na hivi wakati aliposema juu ya mateso ya sanduku ya agano. Eli tomba de son siège à la renverse. Na Elia akatoka mukiti kyake na akaanguka chini. À côté de la porte, il s'est rompu la nuque et mourit. Pembeni ya mlango alipoanguka akajivunja shingo na akakufa. Car c'était un homme vieux et pesant. Kwani alikuwa ni mtu mzee na mzito. Il avait été jugé en Israël pendant 40 ans. Na ye alikuwa mwamuzi mu Israël kadiri ya miaka 40. Il avait été juge en Israël. Alikuwa mwamuzi mu Israël pendant 40 ans. Mumiaka makumi ine. Sa belle fille, na mtoto yake mko, femme de Phinehas était enceinte, mtoto wa bibi yake ya Phinehas alikuwa na mimba, et sur le point d'accoucher, na akuwa karibu na kuzala. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, na wakati alisikia habari ya kwamba bamebeba sanduku ya agano la Mungu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, akasikia habari ya kufa kwa baba yake mko na kwa ya bwana yake, elle se courba et accoucha. Ye akainama na kuzala. Car les douleurs la surprirent.
Kwani maumivu ya kuzaa ikamstusha. Comme elle allait mourir, na kama vile alipasa kufa, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dit, na wanamke wenye walikuwa pembeni yake wakamwambia, ne crains point, usiogope kitu, car tu as enfanté un fils. Kwani umezaa mtoto wa kiume. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas mention. Attention. Na kujibu kitu, na akuangalia kwa ile. Elle appela l'enfant. Elle appela l'enfant Ikabod. Akampanga yule mtoto jina ya Ikabod. L'enfant que cette femme a accouché après avoir entendu la nouvelle de la mort. Mtoto mwenyewe ule mwanamke alizala kisha kusikia habari ya kufa. Appela l'enfant Ikabod. Akamuita ule mtoto kwa jina ya Ikabod. Na kusema, la gloire est bannie d'Israël. Utukufu imetoka katika Israeli. Cause de la prise de l'arche de Dieu. Ilikuwa ni kwa sababu agano la sanduku ya Mungu ilibebewa. Cause de son beau-père et de son mari. Na ilikuwa ni juu ya kufa kwa baba yake mko na bwana yake. Elle dit, akasema, la gloire est bannie d'Israël. Utukufu imetoka katika Israeli. Car l'arche de Dieu est prise. Kwani bamebeba sanduku ya Mungu. On peut incliner nos têtes. Tunaweza kuinamisha vichwa vyetu. Est-ce que vous connaissez la chanson quand il marchait là-bas? Quand il marchait là-bas en Galilée. La chanson des frères Sylvain. Est-ce que vous pouvez me donner même un petit couplet? Un seul couplet. Si vous pouvez m'aider. En même temps, je demanderai que chacun soit debout. Nous sommes dans un champ de bataille. On n'est pas venu s'asseoir. On s'assoit à la maison, mais ici on attaque. Ne soyez pas des croyants qui sont très faibles. Chaque minute, il faut s'asseoir. Je m'excuse si je vous ai blessé, mais soyez vraiment connectés. Si c'est là que vous avez blessé, je m'excuse. Je voulais amener à ce que vous soyez connectés. Chacun va demander la grâce de Dieu et je ferai un mot de prière. Être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie. Ok, je vais prier. Daomba. Notre précieux Père Céleste, toi le Dieu immuable, toi l'éternel qui ne change pas, toi le Dieu qui nous a laissé la chose la plus importante qui est la parole de Dieu. Amen. Et tu nous as dit dans cette parole, il y a tout ce que l'épouse a besoin. Est-ce que ce soir, toi qui marchais en Galilée, qui opérais des oracles, qui guérissais les malades, qui sauvais les pécheurs, qui délivrais les captifs, toi la grande colonne de feu, prends le contrôle de l'auditoire. Que chacun qui est ici, qui ne sort pas, qui ne retourne pas comme il était venu, que toi la présence suprême, maintenant, la scène est à toi. Tu connais chaque besoin ici. Il y a quelqu'un, il a prié. La réponse n'est pas encore venue. Mais je te demande que ce soit une soirée particulière. Une soirée où toi les grands Jéhovah, tu peux prendre le contrôle des besoins de tes enfants et accorder la solution.
Nous chassons les esprits impurs. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les sciences occultes, tous les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus, nous les chassons de cet endroit. Oh Dieu, active notre foi. Connecte-nous auprès de toi, du début jusqu'à la fin. Bénis notre pasteur Élisée Bopé. Bénis son séjour à Kinshasa. Bénis aussi ces précieuses âmes que tu lui as confiées. Garde le Seigneur Jésus. S'il peut revenir et trouver ces précieuses âmes à mon réforme, ça sera pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois les acclamations. Reçois nos cris de joie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé. Amen. Amina. Ok, priez pour vous asseoir. C'est le pasteur Jean-Marc Ngoï. Je ne suis pas un visiteur, je suis fils de la maison. Oui, je remercie mon père spirituel, le pasteur Bopé, de m'avoir donné cette opportunité. C'est Branham dit, dans une église locale, l'ordre le plus élevé, c'est le pasteur. Et celui qui est le Saint-Esprit de l'Église. Et Branham appelle encore qu'il est un ange de l'Église. Comme ce soir, le Saint-Esprit qui est le pasteur a voulu que je parle. Je crois que c'est pour une réponse de quelqu'un. Je crois ça. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Peut-être Dieu m'a envoyé même peut-être pour une personne. Peut-être la situation qui traînait. À travers ce Dieu d'Élisée Bopé. Parce que je travaille avec son ange. Et je sais que son Dieu va nous bénir ce soir. Et je souhaiterais que vous ayez la foi comme la foi de la sœur Ati. Quand Branham témoignait dehors de la chair, la sœur Ati était assise là derrière. Mais sa foi réclamait Dieu. Et je demanderai à cela que cela vous soit votre attitude ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Pour que même si tu es derrière, que Dieu est immuable et te voit. Et qu'il t'accorde la solution ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors je souhaiterais parler sur un sujet intitulé L'Ikabod doit devenir Kabod. Ikaboti inapasa kuwa Kabod. L'Ikabod. Ikaboti doit devenir Kabod. Yo inapasa kuwa sasa Kabod. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki kwa utajiri. Vous avez entendu l'histoire là où nous avons lié 1 Samuel chapitre 4. Na mlisikia disi kwenye tulisoma mkitabu wa Samuel wa kwanza sura yake ya 4. Na c'était l'histoire d'Israël. Na pale ilikuwa ni hadithi ya Israel. Et nous sommes aussi Israël en esprit. Na sisi tena tuko ni Israel mkiroho. Israël chaque fois remportait la victoire. Israel mara yote alikuwa anapata ushindi. Il pouvait détruire les ennemis. Na Bob alikuwa na uwa adui. Il pouvait les pour chasser les détruits. Mais il arrivait un temps où Israël a perdu l'autorité sur les ennemis. Où il a perdu la victoire. Où il a perdu le contrôle. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Il a perdu le contrôle. Les Philistins, ils ont entendu les cris. Na wa Filistino walisikia malalamiko. Quand ils ont entendu les cris, na pale walisikia malalamiko. Ils se sont demandé entre eux. Na balijiuliza kati yabo. C'est qui la dit quoi? Ile malalamiko inasema nini? Quand on pose la question, na pale banauliza. Quelqu'un pouvait peut-être
l'autre essayait à jeter un coup d'œil. Na mwingine aliweza kuangalia kule kukampi. Il est venu apporter la nouvelle parmi les Philistins. Anakuwa kuleta habari kati ya Wafilistini. Il a apporté la nouvelle aux Philistins. Na analeta habari kwa Wafilistini. Il a dit. Aliwaambia. Les cris que vous attendez là. Malalamiko ambayo mnasikia tokea kule. C'est l'ange de Dieu qui est entré dans le camp. Ni sanduku ya Mungu yenye inaingia mkampi. Or que les Philistins savaient. Na Wafilistini walikuwa najua. L'ange de Dieu. C'est sanduku ya wamilele. C'est Dieu lui-même dans le camp. Ilikuwa ni Mungu peke yake ndani ya kambi. C'est l'ange de Dieu. Na ile sanduku c'est ya la Mungu. Présence de Dieu. Ni uwepo wa Mungu. Oh! Najapo. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Apporte la victoire. Yo iko naleta ushindi. Est-ce que vous comprenez? Eti mnasikia. C'était dans l'Ancien Testament. Ilikuwa ni mwagano la kale. Avant que Jésus vienne. Na ilikuwa ni mbele Yesu akuje. Et quand ils ont Na pale walisikia. Ils ont commencé à se dire. Na bananza kuambiana. Faisons attention, nous sommes à l'insécurité. Tukebeange hatuna tena na ukingo. Parce que nous connaissons l'autorité de ces dieux. Kwa sababu tunajua uwezo wa ule Mungu. Comment il a détruit les Égyptiens. Na namna kani ule Mungu aliharibu wa Misri. Comment il est entré dans les camps. Na sasa vile ule Mungu aliingia katika kambi. C'est fini pour nous. Kunaisha juu yetu. Amen. 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 Maintenant le peuple d'Israël. Sasa taifa ya Israeli. Ils ont l'arche est entrée. Bo na baliona safina inaingia. Ils se sont avancés. Na balikaribia. La victoire qu'ils pensaient avoir. Ushindi yenye balikuwa na wazia kusebeko nayo. Le détruisement les Philistins. Na paka pale wa Filistini. Ils ont tué presque 3000 hommes. Bo baliua watu 3000. Le détruisement. Na pale pale. Il y a un messager qui est venu. Na komjumbe mwenye alikuja. Il a vu. Aliona. Le juge, celui qui était juge Eli, elle était juge 40 ans en Israël. Na yule mwenye alikuwa mwamuzi. Eli anjo alikuwa mwamuzi miaka 40. Quand ils l'ont vu venir. Na pale bali muona anakuja. Ils se sont réjouis. Bali furahiwa. Parce qu'ils pensaient qu'il a apporté la bonne nouvelle. Kwa sababu alikuwa anawazia kusema analeta habari njema. Quelle était la bonne nouvelle? Ilikuwa ni habari kali. C'était la victoire sur les Philistins. Ilikuwa ni ushindi juu ya Wafilistini. Mais quand ils ont vu la personne venir. Sasa baliona mtu anakuja. En train de faire couler de larmes. Yeye kunavuisha machozi. Elia akamwambia, qu'est-ce qui ne voit pas mon fils? Mambo kani yenye aendeke mtoto yangu? Directement il répondit. Na pale akamjibu, Israël a fui devant les Philistins. Na kumwambia Israël anakimbia mbele ya Wafilistini. Na kai ila tandisha. Na pale Elia alisikia ile. Akasema wewe. Est-ce que c'est vrai? Eti ni ukweli ule. Il a fui. Anakimbia Israël. Oui papa. Asendio baba. Oui je. Ndio muamzi. Il a fui. Israël anakimbi. Et après? Na kisha. Tes deux fils là, watoto wako wawili wale, Finé et Ophni, Finé na Ophni, sont ils ont été tués. Wote banabaua. Parce que c'était Finé et Ophni qui détenaient l'arche. Ilikuwa ni Finé na Ophni ndio walikuwa na sanduku ya. Amen, amen. Amina, amina. Comprenez-moi, je vous amène à quelque chose. Na mweleo ninapeleka kitu fulani. Maintenant, na sasa, quand il a pris qu'ils ont fui. Na pale manasikia kuse walikimbia. Il a posé la question. Akamuuliza. Qu'en est-il de l'arche de Dieu? Iko je juu ya sanduku ya agano ya milele? L'arche est prise. Anamwambia sanduku bana ingia ndani. Il est fini. Na Elia akasema kuna ishara. Tumaini yetu. Notre victoire. Nguvu yetu. Notre succès. Na kuweza kwetu. Reside dans l'arche. Iko ni ndani ya sanduku ya agano. Comme on a récupéré. Na sasa vile bana inyang'anya kuna ishara juu yetu. Ka. 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 En faisant en entendant seulement que l'arche est prise. Na mkusikia tu ile habari ya kusema ananyang'anya sanduku ya agano. Il s'incline là, il est mort. Na yeye akainama na kuanguka na anakufa. Son enfant qui était Finé. Na pale mtoto yake Finé. Avait une femme qui était enceinte. Alikuwa na mwanamke au bibi mwenye alikuwa na mimba. Et la femme était presque à terre. Na ule bibi alikuwa karibu na kuzala. Mais elle n'avait pas encore les douleurs de l'accouchement. Na yeye aliyakuwa siapata bado maumivu ya kuzala. Mais lorsque elle a appris. Na pale mwanamke ule alisikia. J'ai pris. Yakisema sanduku ya agano na ile. Son mari est mort. Na bwana yake anakufa. Son beau-père est mort. Na baba yake mko na yeye anakufa. Directement il eut les douleurs brusques. Na paka pale akapata maumivu ya ghafla. Na l'enfant est sorti. Na mtoto anatoka. Et cet enfant il donna le nom. Na ule mtoto bana mpanga jina. Ikabod. Ikabod. Qui veut dire? Mana yayo. Qui veut dire? Mana yayo. L'arche de Dieu est prise. C'est ma sanduku ya agano banaibeba. La gloire de Dieu est bannie d'Israël. Utukufu ya Mungu imetoka muIsraeli. Maintenant ce soir je voulais vous amener quelque chose. Sasa hii magari napenda kumionyesha kitu fulani. Nous allons remplacer X par sa valeur. Na tutabadilisha na kuweka kila kitu kwa fasi yake. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa. Je prêche les aigles ou bien? Niko na hubiri wa tai yao. Je prêche. Moi je prêche. Mimi napenda kuhubiri. Les gens qui sont
un homme réveillé. Ce sont pas les dénominations. Quand on attend la parole, nous sommes bruyants. On est prêt à arracher ce que la parole nous donne. Que Dieu vous bénisse. On remplace X par sa valeur. Israël représente vous. Vous représentez Israël. Vous êtes le peuple de Dieu. Maintenant, vous êtes le peuple. L'arche de Dieu représente le Saint-Esprit dans le camp. Soit le Saint-Esprit en vous. Parce que nous savons que l'homme sans le Saint-Esprit. C'est un animal parce qu'il ne fera rien. Les sorciers n'auront pas peur de vos cris. Loin de là. Les sorciers. Les diables. Aura peur de ce que vous dégagez en vous. Mais qu'est-ce que vous dégagez? C'est le Saint-Esprit. C'est Christ que vous dégagez. C'est pour cela. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit écoute la parole, vous les regardez, vous voyez le Saint-Esprit. Soit rapide. Quand vous les regardez, vous voyez le Saint-Esprit. Pourquoi même sa position? Même sa façon de dire amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu sous forme de l'Esprit. Et Dieu est la parole. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit aimer la parole. Alléluia. Amen. L'église, vous êtes là. Israël. Israël. L'arche de Dieu. Sanduku ya Mungu. C'est quoi? Ninini. Le Saint-Esprit. Ni Rome takatif. Maintenant l'autre victoire. Ça ça ushindi yetu. Le diable aura peur de nous. Satan atatuogopa. À cause de l'arche. Ni juu ya sanduku au Rome takatif yenye kwa. Alléluia. Amina. Le diable aura peur de vous. Satan atamiogopa. Pas parce que vous marchez avec les brochures. Na hapana tu mnatembea na mahubiri ya nabii. Pas parce que vous mettez les photos. Na hapana tu mnaika maficha. Mais il a peur de ce qui est en vous. Lakini Satan anaogopa yenye kwa ndani yenu. Parce que ce qui est en vous. Tu yenye kwa ndani yenu. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce soir, Ebenezer va marcher ici. L'ange de l'Éternel va marcher. Malaika wa kule taboka tatembea. Parce que c'est lui notre victoire. Et il va ôter le diable dehors. Na tatosa Satan nje. Vous êtes là. Muko nani? Maintenant. Na sasa. Notre victoire c'est quoi? Ushindi yetu ni nini? Le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Maintenant, na sasa, nous l'avons gardé dans les camps ou bien on nous a ravis. Amen, taberna. Amina maskani. Tu y as 10 ans. Uko na miaka 10. Tu y as 20 ans ici. Uko na miaka 10. Tu y as 3 ans. Uko na miaka 3. Tu as sécurisé l'arche. Na wo ulikinga sanduku. Si c'est oui. Na kama ni ndio. Quels sont les effets de l'arche? Sasa yo ile sanduku ilikutendea nini? Frère Branham dit. Nduku Branham anasema. Quand là où Jésus passe. Pale Yesu inapitia. Il y a des cris. Peko malalamiko. Les cris c'est quoi? Malalamiko ni nini? Il glorifie Dieu. Peko na mutukuza Mungu. De ce qu'il voit. Kwa ile nyembe kona ona. Les aveugles voient. Na bipofu minaona. Le boite marche. Yote binatembea. Alléluia. Amina. Là où il y a Jésus, il y a les cris. Pale peko Yesu peko malalamiko ya fura. L'origine de ces cris c'est quoi? Na ile inaleta ile malalamiko ni nini? Les aveugles voient. Ni bipofu biko naona. Les boiteux marchent. Biwete binatembea. Les sourds entendent. Benyewe basikia ke banasikia. Les morts sont ressuscités. Bafu banafufuka. Les gens sont délivrés. Watu wanafunguliwa. Les gens crient pour glorifier Dieu. Batu banalamika juu kumtukuza Mungu. À cause de cela. Juu ya ile matendo. Maintenant nous. Sasa sie. Nous avons gardé la religion. Tulichunga dini. Ou bien nous avons gardé l'arche. Oh, tulichunga ni ile sanduke. Branham a dit. Branham alisema. Cette colonne de feu. Inguzo la moto. N'ira pas avec moi dans la tombe. Aitenda na mie Branham kaburi. Ça va rester avec l'église. Itabakia pamoja na kanisa. L'église ce n'est pas le bâtiment. Amen. Kanisa haina majengo. L'église c'est toi qui ache. Kanisa ni wewe ule shekala. Est-ce que réellement disons-nous la vérité? Eti tuambiani ukweli. La colonne de feu est avec toi. Nguzo la moto iko na wewe pamoja. Passe dans la prédication. Na kwa sababu mahubiri. L'ange de Dieu. Malaika wa Mungu. Paragraphe 50. Mstari wa 50. Cette colonne de feu
n'a pas seulement affaire avec moi. Sera toujours avec eux. Avec tout un chacun de vous. Maintenant, toi qui es Israël. Est-ce que tu es Ikabod ou bien Kabod? Si tu es Ikabod, ce soir tu dois changer le camp. Quand on dit tu dois, c'est l'obligation. Tu dois devenir Kabod. Un homme rempli. Un homme bénédiction. Un représentant de Dieu. Alléluia. Amen. Même la consécration d'une maison. Na ata kutolea nyumba mu maombi. J'ai appelé les diacres. Unaita badiko. Tu es incapable de déloger les esprits de la maison. Na hauna na uwezo wa kutosha mapepo mchafu mu nyumba. Donc la Bible dit là vous foulez les plantes de vos pieds. Na pale Biblia inasema pale mtakanyanga. Je vous donne ce lieu. Mina mipa ile fasi. Même un petit démon qui ronge dans la maison. Na kapepo kalike na ngoloma tu mu nyumba. Alors diacre venez prier. Alors diko na mke mu nyombe. Mais il va prier, il va partir. Sasa yeye ataomba na atarudia. Chasse un démon. Il revient voir là où on m'a chassé qui est entré. S'il trouve qu'il n'y a personne qui est entré. Vraiment, la Bible dit il retourne. Il prend les sept autres esprits plus méchants que lui. Les diacres ont consacré les parties. Diko na liombea nyumba naenda. Toi qui es resté. Wewe mwenye ulibakia. Tu es Ikabod. Wewe uko Ikabod. Ou bien tu es Kabod. Au uko Kabod. Aujourd'hui dans le message. Leo mujumbe. La question qui est là. Na ulizwe nyekuwa pale. Où est le Dieu de Branham? Mungu wa Branham eko wapi sasa? C'est ça la question. Na niulizo ndio. Branham dit. Branham anasema. Au ciel il y a un écriteau. Mbinguni kuko andiko. Là où on a écrit. Kule kwenye banaandika. Sur l'église. Sur kanisa. On a écrit sur l'église. Banaandika. Ikabod. Le Seigneur est parti. Ni kusema Bwana Mungu asakuenda. Aujourd'hui l'église n'est pas brillant. Leo kanisa ina tena na moto. Où est l'église apostolique? Kanisa wa mitume iko wapi? Des hommes parole. Watu wenye kuwa maneno. Des hommes Dieu. Watu wenye kuwa Mungu. Alléluia. Amina. Les donneurs des solutions. Balibe kona leta majibu. Pierre quand il est arrivé. Petro pale alifika devant la porte de Babel. Mbele ile mlango wa Babeli. Il n'a pas regretté. Ya kuhuzunika. Pour dire Dieu akusema. Mes frères, je m'excuse. Banduki yangu mtanihurumia. Parce kwa sababu Jésus qui pouvait faire ça. Yesu Kristo mwenyewe alipasa kutenda miujiza. Ne pas anako. Avec nous. Ana na shepa. Il est déjà retourné la gloire. Asa urudia mutukufu. Pierre a dit cette affaire me concerne. Petro alisema hii mambo ni yangu mimi. Il a dit. Alimwambia. Maintenant toi boite. Sasa wewe kiwete. Regarde-nous. Avec qui? Avec Jean qui est à côté. Ceux qui marchent ensemble, c'est ensemble. Un chrétien avec un païen, ça ne colle pas. Parce qu'il y a patana. Toujours des influences. Un homme Dieu marche avec un homme Dieu. Un homme rempli marche avec un homme rempli. L'indirectement, il a dit regardez-nous. Nous n'avons pas l'argent. Je peux t'aider. Mais c'est pour un peu de temps. L'argent finira. Tu vas continuer à manger. Mais je te mets en liberté. Je te mets en liberté. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La parole fait tes chairs. Le ciel. Écoutant la voix d'un humain. C'est le pape Pierre qui produisit le miracle. C'était le Dieu qui était en Pierre. On adore les mercredis. Les vendredis, on revient les mêmes. Ta première parole qui sort dans la bouche. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. J'ai péché, pardonne-moi. Le vendredi, j'ai péché. Le dimanche, j'ai péché. Tu vas avancer quand?
utaendelea na ukomea wakati gani? Parce que la terre gémit attendant la manifestation. Chui dunia iko na ugua na kulia kuchunga kuonekanika kwa watu. Il y a des aveugles, il y a des fous. Kuko bipofu na bia majini. Où sont les enfants de Branham? Batoto ba Branham beko. Les gens qui sont sortis dans un puissant ministère. Batu benye kuwa ndani ya huduma utakatifu ya uwezo. Mimi l'Ancien Testament. Na hata mwagano la kale. Envie cet âge. Ilikuwa natamania ikizaa. Alléluia. Amina. Ce n'est pas comme le pasteur a voyagé. Na ina sasa vile mchungaji anasafiri. On regrette parce que c'est lui qui prie pour nous. Na tunahuzunika ni juu njoo na tuombeaka. On peut regretter parce que c'est notre berger. Tunaweza huzunika kwa sababu ana problem, il accorde des solutions. Na kama tuna mambo yanaleta matatizo. Mais on ne peut regretter parce que hata huzunika ni juu. Kama sio malade ni priera pas pour nous. Bale tutakuwa gonja sasa tuombea tena. Il est parti mais son Dieu est resté. Alienda lakini Mungu wake yuko hapa. Maintenant vous à qui il a fait manger la parole. Sasa mwe benya alilisha maneno. Faites sortir Dieu. Mumtoshe na kumuonekanisha Mungu. Je touche maintenant frère Branham. Mina mungusa sasa ndugu. Je comprends maintenant vous êtes entré dans la symphonie maintenant. Pale mimi naona kusema unaingia mungusa. On peut maintenant démarrer. Tunaweza kuenda. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante. Prenons les signes du temps. Tutabeba mahubiri alama ya wakati. La prédication les signes du temps. Mahubiri alama ya wakati. Prêchez le 20 mai 58. Nabiria mwenye tarehe ya 12 mwezi wa 5 mwaka wa 15. Au point 115. Mstari wa 115. William Marion Branham dit. William Marion Branham anasema. Kaka, vous ne dites pas qu'est-ce qu'il dit. Amseme anasema nini? Vous ne dites pas qu'est-ce qu'il dit. Amseme na kuuliza anasema nini? Mungu na njala. Vous avez faim? Au kure bukani. Vous n'avez pas mangé? Quand Branham, quand un prophète parle, on donne l'attention. Parce que Dieu pense. Mungu yuko na waza. Le prophète parle. Na nabii anasema. Ce que Branham dit. Na ile yenye Branham anasema. C'est ce que Dieu a dit. Ndio yenye Mungu anasema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand on dit Branham a dit, dites qu'est-ce qu'il dit. Na pale tose Branham anasema, muulize anasema nini. Il dit ceci. Anasema hivi. Au point 115. Kunukta yake 115. Pouvez-vous voir l'écriture sur la miraille? Na mneza kuona andiko juu ya ukuta au kibambashi. Pouvez-vous voir? Mneza kuona. L'écriture sur la miraille. Ya andiko yenye juu ya kibambashi. Nous y sommes. Na sisi wote tuko naona. L'écriture dans le ciel. Na ya andiko juu mbinguni. Qu'est-ce qui est écrit dans le ciel? Imeandikwa nini mbinguni? L'écriture dans le ciel. Andiko mbinguni. Ikabod. Imesema ikabod. Sur l'église. Juu ya kanisa. L'esprit du Seigneur. Roya Bwana. Est parti. Ilisha kwenda. Amen le tabernacle. Amina maskani. Les aigles de ce message. Naima taya yojum. Branham tiye. Il y a une écriture. Branham anasema kuko andiko mbinguni. Sur la mireille. Yenye sa andiko hapa kibambashi. Qui est écrit. Imeandikwa. Ikabod. Ikabod. L'Ikabod. Ikabod. L'esprit du Seigneur. Sema roho ya Bwana. Est parti. Isha kwenda. L'esprit du Seigneur. Roho ya Bwana. Est parti. Isha kwenda. Je peux sera Branham pouvait dire. Tu parles Branham aliweza kusema. Si Atkinson. Na kama sasa. Si Atkinson. Na kama huko Atkinson. Atkinson oui c'était une ville de l'Amérique. Ah kama huko Atkinson. Si Atkinson. Kama huko Atkinson. On peut trouver six personnes. Na tunaweza kutaba tu basita. Remplis de Saint-Esprit. Tenye bana jaziwa na Roho Mtakatifu. Tikson toi bouger. Na bob ile Tikson yote na pasa kuteka. Branham a parlé pour une ville. Branham alisema juu ya mukini mo. Sur on peut trouver six personnes. Na tunaweza kuta mobantu sita. Regardez le frère qui est Ikabod. Le frère dort, il est Ikabod. Na ule nduku eko na lala. Ni Ikabod. Il est Ikabod. Ni Ikabod. Après, depuis que je suis en Amen Tabernacle, le passé d'Élisée Bob ne m'aide pas. Mais tu dors. Niko mwamina maskani mtungaji Élisée Bob asini saidi. Unalala. Dieu t'amène à être Ikabod, mais toi tu dors. Mungu akupeleka ukue Ikabod lakini unalala. Excusez-moi, c'est la manière dont Dieu aussi m'utilise. Na mtani hurumia njoo namna yenye Mungu ananitumia. Je suis contre les gens qui dorment. Niko sa mimi napingana parce que nous sommes consacrés pour vous. Dieu tulijito maombi tu yenu. Pour que Dieu fasse quelque chose. Dieu Mungu amitendee kitu. Pour que Dieu relève les défis dans votre vie. Dieu Mungu ya msema pingano maisha yenu. Et je vous dis il le fera. Na mimi namwambia kwa sababu ataitenda. Moi je vous dis ce soir. Mimi namwambia magharibi. Le Dieu de l'Élysée Bopé. Mungu wa Elisha Bopé. Le Dieu de la colonne de feu tabernacle. Mungu wa uzongo yangu. Dieu de Branham. Vous allez voir. Mtaona. Il va relever les défis. Yeye atamsema mapingani.
Bible dit ceci. La gloire de Dieu est partie. Branham a dit. Branham anasema. Où est-ce que nous nous tenons? Nous l'église. On te bouge comme ça. Je suis un enfant de Malachi 4. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Église. Kanisa. Amen le tabernacle. Amen maskani. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mambo kani yende. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Nini na yendeke? Où est l'arche? Sasa sa, sanduku iko wapi? Où est l'arche? Sanduku iko wapi? Où est le Dieu de Branham? Mungu wa Branham eko wapi? Où est le Dieu? Mungu eko wapi? Où est le Dieu? Ule Mungu eko wapi? Qui faisait pousser? Ule mwenye alikuwa na otesa. Qui faisait pousser une le nez. Ule mwenye alikuwa na otesa mampua. Qui donnait le jeu na fois qu'il n'avait plus les. Ule mwenye alikuwa na kabula macho kwa mtoto mwenye asiye na macho. Qui ramenait le jambe déformé être normal. Ule mtu mwenye alikuwa anapeleka mikula kunjama inanyoloka. Où est ce jeu? Ule Mungu eko wapi? Branham me pose la question. Branham anauliza. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mambo kani yaendeke. Ceci c'est un temps terrible. Na hii ni wakati ya nguvu sana. Notre temps. Ni wakati yetu. Un temps terrible. Ni wakati ya nguvu sana. On a perdu l'ange dans les camps. Tunapoteza sanduku mukampi. On est devenu des piquants. Na sie tunakuwa sabenyebe kona tuangani. Tunatuangani. Ah, tunaanza kutuangani. Je peux balancer la frère Bana. Mine nze kumleta mbele nduku Branham. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes maintenant connecté? Na pale mnaongiwa sasa. Est-ce que vous êtes contacté? C'est dans la prédication comme ça que Dieu fait les choses. Je vis dans notre église. Une sœur qui avait des trompes bouchées qui ne voyait pas des règles. Mais pendant la prédication, Dieu m'a inspiré quelque chose, s'est déclaré et les trompes se sont débouchées. Et je ne prêche pas des histoires ce soir. Je vous ramène à croire réellement le Dieu de Branham. À faire confiance à ce Dieu qu'a Élisée. Alléluia. Amen. L'hôpital existe. Hôpital iko ako. L'église existe. Na kanisa na yo iko ako. Le prédicateur existe. Baubiri beko ako. N'y a-t-il pas de bon? Et hakuna tena dawa? N'y a-t-il pas de médecin? Hakuna tena banganga? Mais pourquoi? Na Dieu anini? La maladie de la fille de mon peuple. Magonjwa ya binti ya taifa yangu. Quand on parle de la maladie, c'est toutes les maladies. Na pale tu wasema ndio magonjwa ni magonjwa hiyo. Même la pauvreté c'est la maladie. Na umaskini ni magonjwa. Même le chômage c'est la maladie. Kukosa kazi ni magonjwa. Même l'aveuglement c'est la maladie. Na bupofu ni magonjwa. Même les masques de vieillesse. Na ile maske ya bure. C'est une maladie. Ni magonjwa. On doit mettre dehors. Na tunapesa ifukusha. Il y a quelqu'un qui n'avance pas, il fait que tourner sur place. Ton témoignage que Dieu t'a donné un travail, c'est un travail de dormir dehors. D'être une sentinelle. D'être un agent de sécurité. Les autres dorment dehors. Dans la maison. Mais toi, tu les dors dehors. Tu risques même la vie. Un voleur, quand il vient, il détruit la sentinelle. Est-ce que le Dieu de Branham n'est pas capable de défier même les liens familiaux? Est-ce que le Dieu de Branham n'est pas capable de donner la valeur à ton diplôme? Est-ce que le Dieu de Branham? Alléluia. Alléluia. Le Dieu de Branham n'est pas capable de changer ton histoire. Comme il a fait avec frère Branham. Comme il a fait avec frère Branham. Quand il était au début de ce ministère, il prêchait avec un salopette troué. Branham dit, quand on m'appelait, j'ai flotté sur le mur pour qu'on ne voie pas les trous qui est sur les salopettes. Mais le Dieu qui m'a appelé, la colonne de feu qui est entrée
par la fenêtre à ma naissance a changé mon histoire. Les rouges gorges qui avaient chanté, le même Dieu a changé mon histoire. Aujourd'hui je suis en veste, je voyage dans le monde entier, je m'habille bien et j'ai à manger à la maison. Où est ce que tu es là? Icabod. Tu dois devenir Icabod. Je suis contre d'autres chrétiens. Mina pingana kana ba Christo bengine. Quand ils viennent à l'église, bali bena kuya mkanisa. Après culte, ils attendent qu'on paye pour eux les transports. Nakisha ibade bena chunga ba ripie bo transport. Jack, je n'ai pas les transports. Diko na mishina na transport. Pasteur, je n'ai pas le transport. Entre toi et le pasteur qui doit supporter l'autre. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs restaient au temple. Les laïcs allaient chercher. Les soirs, ils amenaient ce qu'ils avaient trouvé. Mais toi, au lieu d'amener ce que tu as trouvé, tu es venu même prendre l'épée. Tu es le pasteur. J'aimerais qu'après mes séries de réunions, que le Dieu de l'histoire, na Mungu hadisi, le Dieu qui détient le destin des gens, Mungu na maisha ya kesho, le Dieu qui a ton avenir à la main, Mungu na maisha ya kesho, qu'il puisse changer ta vie, abadirishe maisha yako. Est-ce qu'on peut dire amen? Et tu kusema amina. Est-ce qu'on peut dire gloire? Et tu kusema utuku. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Et tu kusema alléluia. Oh my, oh my. Il y a même des femmes stériles. Or, qu'il y a une malédiction que Dieu lui-même a proclamée. Dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Ni les avortés. Pourquoi ça? Dieu nini. Branham dit, nous sommes dans un temps terrible. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux attendre les amens? Et quand je parle, il y a un tour de contrôle dans la salle. Il y a un Dieu immuable. Je t'ai dit, ce que toi tu as vu difficile, il y a un Dieu de l'histoire qui va les rendre face. Je connais la grandeur de ce Dieu. Je connais la grandeur de ce Dieu qui a détenu le pasteur Élisée. Branham dit, quand l'église s'éloigne de la fontaine de la vie, la fontaine de la vie c'est quoi? La prière. Maombi. La vie de la sanctification. Maisha utakaso. La vie de la parole. Maisha maneno. Le Saint-Esprit. L'atmosphère spirituelle. Ali akiro. C'est ça. L'eau du rocher, ya mwamba. C'est ça, Cho. La fontaine de l'eau vive. Amen, le tabernacle. Amina, j'aimerais que tout Kambela. Na mina penda imakutano yote. J'aimerais que tout Kambela. Na mina penda ikambela yote. J'aimerais que Kasapa. Mina penda Kasapa yote mzima. Qu'à partir de Carrefour. Na kuanzia Carrefour. Jusqu'ici. Na kufikia huku. Que tout le monde sache que ici y a Dieu. Na mtu atajua kusema hapa peko Mungu. Ma. Que tout le monde ici sache que. Na kila mtu atajua kusema. Ici. Hapa. Il y a un Dieu réel. Peko Mungu wa kweli. On n'aime pas les bruits. Dieu, Branham a dit, Mungu, Branham, dans la réalité, quand on regarde dans l'eau, l'eau est sale, l'eau n'est pas vive. Quand on regarde dans l'eau, l'eau est sale. L'eau n'est pas vive. Non. Il faut que Kambela sache. Que ici, il y a le partenaire avec Dieu. Que ici, il y a des hommes omnipotents qui réclament Dieu et Dieu descend. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire gloire? On peut dire gloire. Merci Seigneur. Écoutez Branham. Dans la prédication,
dans la prédication. Planter la vigne. Kupanda mvinyo. Et où la planter? Na wapi penye tunapasa kuipanda? Planter la parole. Kupanda maneno. Mais où la planter? Na wapi pale tunapasa kuipanda? Prêcher la parole. Kubiri maneno. Où la prêcher? Na tunapasa kuihubiri wapi? Branham dit, Branham anasema, j'ai besoin des gens qui sont fragiles. Miko lazima batu benye kuwa tayari. Qui sont prêts à croire. Batu benye beko tayari kuamini. My. Oh, la, la, des la, gens la, la. Qui sont fragiles. Batu benye kuwa tayari. Des gens qui sont prêts à croire. Batu benye beko tayari mkuamini. Parce que Dieu est prêt à faire. Tu munga ko tayari juu ya kutenda. Il faut un homme inapasa qui mutu. Est prêt à croire. Kuwa tayari ya kuamini. Est-ce qu'on peut dire amen? Et tu les osema amina. Merci Seigneur. Asante bwana. Merci Seigneur. Asante bwana. Écoutez. Namsikie. Paragraphe prêché le 20 septembre 59. Le 20 septembre 59. Au point 62. Frère Branham dit ceci. Nduk Branham anasema. Oui, merci Seigneur. Asante bwana. Frère Branham dit ceci. Nduk Branham anasema. C'est pareil pour l'église aujourd'hui. Quand on dit séparé, cela veut dire c'est la même chose. Avec l'église ou na kanisa ya leo. On a dit hier. Barisema chan. On a dit hier. Barisema chan. Aujourd'hui. Ni leo. Aujourd'hui. Ni Léo. Mungu wa Léo, Léo. Le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu qui vous parle dans des visions là. C'est le même Dieu qui bénit les gens. C'est le même Dieu qui sécrise les gens contre les poisons. C'est le même Dieu qui élève une église. C'est le même Dieu qui change l'histoire. Quand là où tu es, si tu sens une présence, cette présence peut tout faire. Alléluia. Cette présence que tu sens. Il est où est pour nous la peut tout faire. Il est occupé à bioter. J'ai vu mes frères là-bas avec na. Un démon de tension. Ça va quitter avant que je termine. Avant que je termine. Il est peuple pour un pomme et ta toque parce que il y a un frère qui est en jean. Qui est derrière là, il a un démon de tension. Ça va quitter. Avant que je termine. Il y a une toque au kumimbali. Mes bien-aimés. Mpendwa. Permettez-moi de parler en chilub. Nam tani rusu ni seme mukiluba. Malgré nous sommes dans une autre province. Natakama tuko mujimbo ingine. Katwene nzambi wa myanu to. Katwene nzambi wa kusuka kwa mwisho wa mesa to. Hatuna na Mungu wa hadisi wala Mungu tunaweza kufuchika chini ya meza. Tuna nzambi wa wend. Tuko na Mungu anatembea. Tuna nzambi wa wakula. Tuko na Mungu anasema. Tuna nzambi wa wensa myanu. Tuko na Mungu akufanya mambo. Tuna nzambi wa ulele shankumba. Tuko na Mungu akuzalisha watasa. Tuna nzambi wa upeshe miji mubantu. Tunakuona Mungu akupatia watu makazi. Tuitone nzambu jukumbashe matu kwa moyo wa mtu. Tunakuona Mungu anapatiana maisha ya kuishi mingi padri. Le même Dieu qui avait dit au roi. Mungu mmoja mmoja anashaka mfalme. Mets ta maison en ordre. Weka nyumba yako katika usawa. Je vais t'enlever sur la terre. Takutosha dunia. Il était le même Dieu qui lui avait ajouté les jours. Mungu mmoja mmoja alimwongezea maisha kuishi. Même si ce soir. Atajiwane leo. Il te reste une semaine de vivre. Kuna kubakiria chuma maya kuishi. Nous allons renverser le programme. Tunapasha kubadilisha mapo. Parce qu'il a dit. Yeye anasema nini? C'est que vous lirez sur la terre. Yule mtafunga pa dunia. Je vais les lire au ciel. Na taifa ku mbingu. Mais ce soir. Atajiwane leo. Laisse le voie liée. C'est que nous allons décider. Il est tout à fond, il est tombé dans mon pango et tout. Il n'est pas seulement un Dieu qui donne les songes. Le Dieu qui donne les songes donne des visions. Celui qui donne les visions donne le parlant là. Celui qui donne le parlant là guérit les malades. Celui qui guérit les malades ouvre les yeux des aveugles. Celui qui ouvre les yeux des aveugles donne la bénédiction financière. Hey! Est-ce que vous êtes là? Pourquoi pas? On n'a pas de Dieu. C'est le même Dieu là. Dis tu sens une présence. Crois seulement. Cette présence peut tout faire. Cette présence peut tout faire. Il est Cette présence. Iwapo. C'est
Si tu sens la présence. Kama unashikilia wapo wake. Cette présence. Ile wapo. Peut tout faire. Inaweza kufanya yoyote. Peut te délier. Inaweza kuokoa. Peut te bénir. Inaweza kubariki. Peut te délivrer. Inaweza kuokoa. Alléluia. Amen. Cette présence. Ile wapo. Peut tout faire. Inaweza kufanya yoyote. C'est toi que Dieu parlait pour la tension. Ni Mungu wenu anaweza sema sasa kwa angel. Il y a le démon de tension qui va beaucoup les tracasser. Kuna kama mpepo ile pasha kuangusha. Jusqu'à avoir des vertiges, jusqu'à vertige. Pale utasikia kishungushungu na kuanguka. Mais pas lakini. Avant que je termine. Mbele nitanimalize. Le Dieu qui marchait dans la salle quand Branham prêchait. Ule Mungu alikuwa atembea pale Branham kana hubiri. Branham nous a dit. Branham anatonesha. Quand un homme meurt. Wakati mtu anakufa. Son esprit rentre chez Dieu. Roho yake inaenda kwa Mungu. Mais le Saint-Esprit qui travaillait avec lui. Roho mtakatifu anatumika naye pamoja. Pas sur quelqu'un d'autre. Inaenda kwa mtu mwingine. Alléluia. Amen. Même le Dieu de Baruti est ici. Hata Mungu wa Baruti mwenyewe yuko hapa. Même le Dieu de Kulman est ici. Mungu wa Kulman yuko hapa. Alléluia. Amen. Les aveugles vont voir. Na kufacha watu wanazikuwa. Les sourds vont entendre. Les sourds vont attendre. Les boiteux vont marcher. Babi wote wapasha kutembea. Il est le même Dieu. Yeye ni Mungu moja moja. Il est le même Dieu. Ni Mungu moja moja. Il est le même Dieu. Ni Mungu moja moja. Vous allez le sentir. Munapasha kumsikia. Dès que tu le sens. Pale unamsikia. Il vient avec un nouveau programme. Anakuwa sasa na mapo mpya. Il vient pour répondre. Anakuja kujibu. A la prière qui a fait longtemps. Kuma wambi ile nikawia. Tu as prié. Unaomba. Tu as jeûné. Unafunga. Tu as fait à l'église. Unaenda kanisa. Tu as même contribué à l'œuvre. Unatoa na makuta yako kwa kazi ya Mungu. Jusque là tu ne vois rien. Pale uyaona kitu. Mais ce soir. Sasa jua leo. Il y a un nouveau agenda. Yeye kuna kwa agenda mpya. Agenda sa mère. Mungu anakushika mkononi mwake. Un nouveau agenda. Eko na agenda mpya mkononi mwake. Ndio Yesu Kristo. Mjina Yesu Kristo. Ale raswa sema. Pokea ile. Hallelujah. Recevez. Pokea. Recevez. Pokea. Recevez. Pokea. Recevez. Pokea. Merci Seigneur. Mjina Yesu Kristo. Si tu crois réellement tu as reçu. Kama unakuamini na unapokea. Gloire à Jésus. Amini Yesu. Gloire à Jésus. Amini Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Amini Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Amini Yesu Kristo. Il est vivant. Yeye ni mzima. Quand on dit il est vivant, on dit il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est chez toi? Jésus. Qui est chez toi? Jésus. Gloire à Jésus. Mpika mikono ya Bwana Yesu Kristo. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Bwana. Oh Jésus. Oh Yesu. Ah. Je profite dans les 8 minutes qui restent. Tabele mudakika mnane na bakia. Écoutez ici. Sikieni hapa. Branamati. Branama sema. C'est pareil pour l'église aujourd'hui. Ville ni kanisa leo hii. Quand l'église s'éloigne de la fontaine de vie. Wakati kanisa nenda mbali na chamchamu ya uzima. De la fontaine de la vie. Ya chamchamu ya uzima. Quand elle s'éloigne de la joie du salut. Wakati nenda mbali na furaha ya wokovu. S'éloigne de la fontaine de la vie. Ile chamchamu ya uzima. Une fontaine a de bonnes choses. Chamchamu inakuwa na vitu nzuri. La fontaine a de... Quand la fontaine de la vie, ça dit là-bas dans la fontaine, il y a la guérison pour ton corps. Il y a la finance. Quand Dieu te donne les enfants, il doit te donner les moyens de prendre soin de ses enfants. Dans le chamchamu munako bitu byote, munako uzima mabaraka yako na kama Mungu anakupa batoto, anapasha kupata la fontaine de la vie. Yote ite iko ndani ya chamchamu. Parce que dans la vie que nous avons, Dieu uzima tunayo nayo. A beaucoup d'exigences. Inakuwa na makanuni mingi. A besoin qu'on soit en bonne santé. Inapenda tu mwafya njema. Qu'on soit heureux. Tuwe benye heri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ait tout ce qu'il faut pour notre bien-être.
Mais cette fontaine de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le rocher des âges. Ce soir, parle au rocher. Il te donnera de l'eau. Ce soir, parle au rocher. Il te donnera de l'eau. Ce soir, l'ange est ici. L'Amérique est copa. L'ange est ici. Malaïque copa. Sa présence est ici. Wapo mungu yuko hapa. Merci Seigneur. Hasante bwana. Quand vous vous éloignez de Jésus-Christ. Kama mwenenda mbali na bwana Yesu Kristo. Branham dit. Branham asema. Quand elle s'éloigne de la joie du salut. Wakati kanisi nenda mbali na furaha ya wokovu. La joie du salut. Furaha ya wokovu. Tout ce que Branham dit. Biote bile Branham asema. On avale. Unapokea bio. Unameza. Unasema amina. On manifeste la foi. Unaonesha furaha na imani. Je connais mes ministères. Alléluia. Amen. Quand je prêchais à Kalemi, une sœur était assise comme ça. Je l'ai parlé, il a dit ton mari n'est pas ici. Ton mari est à l'étranger. Il va venir te marier. Et moi. Témoin. Troisième mois, on voit quelqu'un venir de l'Afrique du Sud. Pasteur, je suis venu chercher une femme. Ok, les sœurs sont là. Il est allé tomber seulement sur la scène. Je vous dis ce soir. Même si tu es une jeune sœur, oublie qu'ici il y a un frère qui va te marier. Parle au rocher. C'est Dieu qui a un bon mari pour toi. C'est Dieu qui a une bonne femme pour toi. Tout ce que tu as besoin, il y a la fontaine de la vie. C'est Jésus-Christ. C'est la parole révélée. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire gloire. Les gens, quand ils vont s'éloigner de la joie du salut, même pour dire amen, c'est un problème. Même pour prier, c'est un problème. Or que pour prier, il faut être inspiré. Si tu pries charnellement, tu vas dormir ici. Mais il faut que tu sois inspiré. C'est ce que Branham dit quand on prie. On entre dans la présence. Et on descend avec le site du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand vous vous éloignez de cela, de la joie du salut, Branham dit, quand vous éloignez de la joie du salut, quand elle s'éloigne du Seigneur Dieu, amen tabernacle. Amen maskani. Muchunge Mungu. Gardez bonnement Dieu. Anga souci kuna yo pasteur wetu. Le anga souci na yo pasteur wetu. Regardez le souci qu'a notre pasteur. An appelle mu fika ku sanctification. Il veut que vous atteigniez la sanctification. Nous fika ku baptême du Saint-Esprit. Et que vous arriviez au baptême du Saint-Esprit. Nous fika tina mu adoption. Et que vous entriez dans l'adoption. Mais quel est le nouveau que vous nagez ce soir? Quel est le niveau que vous nagez ce soir? Même quand on prêche la parole, tu dors. La prière, il cabote. Alléluia. Branham dit, quand vous perdez la joie du salut, quand on prêche la parole, un aigle est debout. Un aigle crie amen. Un aigle dit alléluia. Un aigle dit gloire à Dieu. C'est ça sa nature. Pourquoi? Il s'envole plus haut. Il mange des choses qui est plus haut que ce qui. Laissons les corbeaux dormir à l'église. Mais nous les aigles, nous les aigles, j'aimerais que vous répondez. Nastema. Nous les aigles. Montons là-bas. Branham dit. Branham Astema. Alors cette personne devient une épine. Ule muntu kama nenda mbari na furaha ya Mungu anakuwa sa mwiba ya kutuangaza. Quand il s'éloigne. Pale nenda mbali na Mungu. De la fontaine de la vie. Anenda mbali na maji ya uzima. Quand il s'éloigne. Wakati anenda mbali. De la joie du salut. Na furaha ya wokovu. Alléluia. Amen. Quand il s'éloigne. Kama anenda mbali. Du Seigneur Dieu. Na Bwana Mungu. Il devient une épine. Anakuwa mwiba. Une épine c'est qui? Mwiba ni nini? Un ballotant. Muntu. Aujourd'hui il est en amène ta mère. Leo amen.
Demain, il est au Peignel. Qu'est-ce que c'est au Peignel? Le lendemain, il est au Fouché. Qu'est-ce que c'est au Fouché? Pourquoi, frère, tu ne te laisses pas voir? Nous, on est quand même dans votre église, là. Ça devient votre église. Il devient une épine. Il n'a quoi? Il est le canisa. Il est le canisa. Il est le canisa. Il est le canisa. Il devient une pierre d'achoppement. Il voit parler même à mal de Jacques. Et il ira loin de parler à mal du pasteur. Il ira loin à mépriser les prophètes. C'est quoi? Cette personne. Cette personne. Il est allé loin. De la fontaine. Il est allé loin. Alléluia. Amen. De la joie du salut. Il est allé loin. Du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela ce soir. Chantons un cantique. Seigneur, je reviens. 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 Alléluia. Amen. Je peux terminer avec cette écriture. Ne soyez pas des épines. Un frère qui parle à mal des autres. Même un prédicateur qui prêche les gens à la chair. Nous, on prêche la parole. Soit il monte à la chair pour attaquer son frère. Non. Soit il veut montrer sa connaissance, comment il connaît plus que l'autre. Quand nous prenons la fontaine de l'eau, la fontaine de la vie qui est Jésus, en Jésus il y a le respect. En Jésus il y a l'obéissance à la parole. En Jésus il y a la crainte. En Jésus il y a l'humilité. En Jésus il y a l'obéissance à son pasteur. En Jésus il y a le respect à ses Jacques. Il y a le respect à ses administrateurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Dès que nous quittons le domaine du Kabod, nous entrons dans le domaine du Kabod. Mes frères, vous verrez comment Dieu est succulent. Vous allez goûter. David a dit goûter et sentez comment l'Éternel est bon. David a dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon, je dois respecter l'ordre. Je dois respecter l'ordre. Mon temps est terminé. Mon temps de ce soir est terminé. C'est ce que Dieu voulait qu'on parle. Mais le mercredi, invitez les gens. Nous allons quitter les domaines des cabodes. Nous allons être des cabodes. Et je mets la colonne de feu, le Dieu d'Abraham, au défi. Vous verrez de votre yeux ce que Dieu verra. Pour ce soir, que le grand Dieu immuable, le Dieu qui a marché dans ces temps d'histoire, le Dieu qui a utilisé Kulman, le Dieu qui a utilisé Baruti, le Dieu qui utilise Elisha Bope, le Dieu de Branham, vous bénisse, ami bariki, vous garde, ami tchungé, qu'il soit l'adversaire à quoi, de vos adversaires, qu'il soit l'ennemi à quoi, de vos ennemis pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bariki. Nous allons tenir debout. Tout à Shima Mabouima. J'étais en plus loin de toi. Oui, oui, mais maintenant je vais bien. Oh oui, le péché je reviens ce soir, Seigneur. Oh, ma vie, oh oui, pour ne plus.
Dieu, ouvrez-la. Qui est loin de du Seigneur ce soir, reviens au pied de Dieu. Amen. Oh oui, prenez-lui. Oh, oh mon Dieu, ouvrez. Oh, débat. Oh, c'est. Élevons nos mains, parlons à notre Dieu sur base de cette nouvelle. Nous venons de nous entendre.